Si à tous et bonne vie. Voilà, bah, je voulais faire cette petite vidéo, c'est maintenant que je vais la faire, pour en fait vous dire quels ont été les jeux et les consoles auxquelles j'ai joué pendant que j'étais petit jusqu'à maintenant. Ça va aller un petit peu très vite, mais c'est pas grave. Voilà, je voulais faire cette vidéo. Alors, la première console que j'ai eue, je pense que vous la connaissez peut-être, c'est la GameCube. Voilà, la GameCube, c'était une console. Gros comme ça à peu près. Si vous ne réalisez pas, je vous la montre en image. Voilà, ça ressemblait à ça. Donc, il y avait trois boutons. Voilà, donc le bouton open, donc c'était pour ouvrir le dessus de la GameCube, bah, pour mettre le jeu. Et tu vas faire manuellement. Tu avais le bouton start, évidemment, pour faire démarrer la GameCube, et le bouton, ton choix, c'était reset. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc, c'est une où tu pouvais jouer à 4. Hein. Comme vous voyez sur la photo, il y a 4 petits, on va dire, 4 petits trous pour mettre cette manette. Alors, ce qui était bien avec cette console, c'est que vous connaissez tous les jeux actuellement. Hein. C'est des gros CD, ça ressemble à des DVD. Voilà. Maintenant, au pire, tu gères le jeu, c'est mieux. Mais là, avec la GameCube, les jeux étaient gros comme ça. C'est des CD gros comme ça, en miniature, et tu viens dans la YouTube, ça. Alors, les jeux auxquels je joue, donc, c'est Nintendo. Qui dit Nintendo dit Mario Kart. Moi, j'ai beaucoup joué à Mario Kart pendant longtemps. J'ai joué à Spider-Man 2. Ouais, Spider-Man 2. Donc, les graphismes étaient très mal faits, mais ça passait plus ou moins. D'ailleurs, Spider-Man 2, vous êtes étonné, c'était Tio Octopus. Là, il y avait Octopus, bah, Chat Noir, Catwoman, Low Shocker, il y avait Tintamette, un truc comme ça. Mysterion avec des extraterrestres et. Voilà. J'avais Sonic. Sonic, c'était un super jeu, Sonic. Anglais, français. Mais en fait, c'était pas trop mal fait, ça passait pour l'époque. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Et maintenant, le jeu de James Bond. Là, vous voyez pas très bien, mais voilà. Ça fait 007 Night Fear, que je n'ai jamais fini, parce que le dernier niveau se passe dans l'espace, c'est extrêmement compliqué. Mais les graphismes n'étaient pas trop mal faits. C'est passé, ce n'est jamais sorti en film, pour ceux qui se disent, putain, j'ai rien à voir le film. Non. C'est sorti en jeu. Mais ça, c'était. Au vu de l'époque, le graphisme de ce jeu passait. Voilà. Après, bon, j'ai eu Mario Polar Tennis, hein, vous connaissez tous aussi ce jeu normalement. Hein. Mario Polar Tennis, hein, là, voilà. Mario Polar Tennis, que j'ai peut-être pas dû terminer le dernier niveau de la carrière avant Bowser dans le niveau là. C'était un peu compliqué. Et puis bah, le dernier jeu qui est sorti à l'heure actuelle, c'est Mario Smash Bros. Melee. Je crois qu'il doit sortir actuellement sur la Wii U. Bon, voilà. J'ai joué à ces jeux-là, bon après, j'en ai pas d'autres, hein, voilà, pour Mario Kart, Sonic, Mario Tennis, Super Mario Bros. Melee, Mario Kart. Il y avait aussi Indestructible 2, le fait le jeu était là, le jeu Indestructible 2 était sorti. Ah, donc après, bah, la YouTube bah, n'existait plus, donc je vous arrête sur une autre console de Nintendo, la Wii. Alors, je vous fais le tableau, la Wii. Bah, le jeu que tout le monde a quand il achète la Wii, c'est Wii Sport. Donc, vous savez, c'est là où il y a du tennis, du golf, du bowling, de la boxe. Et je crois que c'est tout, bowling, boxe, tennis. Et puis, ouais, c'est tout. Hein. Je crois pas qu'il y en avait un autre. Mais bon, bref. Voilà, donc t'avais ça. Et j'avais Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Voilà. Après, j'ai enchaîné sur les WWE. Tout est l'année qui suit, mais ça n'existait pas encore à l'époque, c'était SmackDown vs Raw 2011-2012, et je crois que ça va être du 13, c'est devenu WWE 2K13, c'est des jeux de touch. Voilà, je me suis vraiment en avoir été un 2, le show, et j'ai dû aussi en avoir un autre après, aussi j'ai beaucoup joué. J'avais un jeu de Zelda aussi, comme ça, mais ça je n'ai pas trop adhéré. Et puis j'avais Super Mario Super Tennis, non, Tennis, non, voilà. Mario Smash Bros Football, je crois que c'était. Et j'ai bien aimé, c'était pas mal aussi. Le foot était pas très mal aussi fait, j'aimais bien ce jeu.
Et puis après, bah, il n'y avait plus de jeu. Sur la Wii. Donc j'arrive sur la Xbox 360. Je l'ai eu pour mon anniversaire, la 360, avec le jeu Director's Cut de Halo Reach. Voilà, c'est peut-être pas Halo Reach, mais c'est connu. Hein, c'est un jeu un peu comme Call of Duty, mais version futuriste. Donc, bah, j'ai acheté ça, et puis après, bah, j'ai enchaîné. Bah, pareil, sur les WWE 2K 13, 17, etc. Puis je crois que j'ai fait un autre jeu, hein. Enfin, c'était ma Call of Duty. D'ailleurs, c'est ma soeur qui a fait tous les Call of Duty possibles. Elle a vu jouer un jour à Call of. Elle dit, oh, c'est fou ça. Elle a fini le jeu, après elle a acheté tous les autres et elle les a tous finis. J'ai même plus le temps d'y jouer. Elle les a fait en même pas une semaine presque. Donc c'était. J'ai dit, bien, bien. Donc je jouais avec elle quelques fois et puis ça utilisait toutes les histoires. Voilà, mais là on n'achète plus là. Elle joue plus du tout maintenant, elle là c'est que dans sa chambre. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, il y avait ça. Et puis bah. Après je suis passé par FIFA 15 ou 16. Je sais plus. Mais voilà. Et puis bah, il n'y avait plus de jeu du tout. Ça, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la Xbox One. Ah ouais, tu vas me dire, ouais, mais c'est nul la Xbox One, tu vas pas la PS4, c'est largement mieux. Il y a plus de jeux, les graphismes sont meilleurs, tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je préfère la Xbox. Je dis pas que la Xbox est meilleure que la PS4. Je dis que moi, personnellement, je préfère jouer à la Xbox qu'à la PS4. Je sais que la PS4 est beaucoup de jeux qui sont dessus et qui n'ont pas sur la Xbox. Mais moi, je préfère jouer à la Xbox. Bah, pourquoi j'aime mieux la manette, voilà. Et donc, bah, j'ai joué à la 360. Je l'ai acheté à 250 euros, version limitée. Ma Xbox version limitée, utilisée à Advanced Warfare. Bah, je vous ai pris tous les jeux là, que j'ai actuellement. Et si bon, on ne cache pas, FIFA 19 version limitée, hein, par contre, hein, c'est une édition limitée, il est sorti 3 jours avant ce jeu-là. Je l'ai payé plus cher, mais j'aime bien. Ça, c'est le dernier jeu que j'ai acheté. World War 2, Call of Duty, Deuxième Guerre mondiale, que j'ai fini d'ailleurs. Maintenant je joue plus, tu vois, ça m'énerve. Voilà. Mortal Kombat X, je sais pas si vous connaissez ce jeu. Il est super. C'est super. Il y a d'ailleurs des personnes spéciales dans ce jeu. Donc tu as Leatherface, donc ça rançonneuse, Jason, dans les 13, Alien, Predator. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas d'autres trucs. Mais vous pouvez jouer avec ces gens-là. C'est un combat qui se combat en 2D, comme ça. Alors, t'as pas que là, c'est Scorpion. Il y a Sub-Zero. Ouais, c'est très gore, mais c'est très bien fait. J'adore ce jeu. Je l'ai fini d'ailleurs, je crois. Voilà. Alors, Crash Bandicoot, je sais pas si vous connaissez ce jeu. À l'époque, ça existait aussi. Et là, ils ont ressorti ça. Donc, t'as le 1, 2 et 3. T'as les 3 Crash Bandicoot dessus, plus 2 niveaux bonus inclus. Qui n'était pas dans le premier qui est sorti il y a très longtemps. Et voilà. C'est vraiment un vieux jeu, mais ils nous ont sorti là, c'est remasterisé. Ils ont mis les 3 Crash Bandicoot dessus. Je n'ai pas fini, c'est très long, mais c'est très bien. Bon, bah, ça, je vous passe au détail. J'étais à ça, je n'ai pas fini, parce que je suis en train de m'amuser à voler des voitures et à faire tout ce qu'on peut faire sur GTA V. Donc, tout le monde, d'ailleurs, je pense. Donc, du coup, ouais, je n'ai pas fini, mais j'y joue encore et parfois je continue à manger en général. Voilà. Et dernier jeu, South Park. Et oui, ça existe. Il y en avait déjà un avant, j'avais sur la 360. C'était South Park, le bâton du destin, je crois. Non, le bâton de la vérité. Le bâton de la vérité. Là, donc, il est en anglais, c'est français. Et là, ils en ont sorti un, il y a très longtemps, hein, ça fait un an ou deux, c'est sorti celui-là. Donc, South Park, l'anal du testin. Hein, vous connaissez les trucs de South Park, hein, je pense. Je n'ai pas fini, parce que c'est un petit peu long aussi, mais c'est bien fait. Je trouve que les graphismes ressemblent tout à fait au dessin animé. Hein. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, ça ressemble totalement au dessin animé qui existe actuellement. Voilà. Et les voix sont peut-être un petit peu modifiées, mais de pas grand chose.
Voilà. On a tout ce que j'avais à vous dire. Je vous présentais les choses que j'avais eues pendant que j'étais petit et puis bah, que je continue aussi maintenant à faire. Voilà, c'est plus FIFA qu'autre chose, je l'avoue. Hein, mais je joue encore un petit peu parfois GTA. Les autres jeux, je joue plus trop. Bah, Call of Duty, je l'ai fini. Enfin, j'essaie de le finir, mais moi je l'ai fini. Donc voilà. Voilà, c'est surtout GTA. Beaucoup GTA et surtout FIFA. Que je fais en ce moment. Voilà, mais c'est vrai que sur PS4, il y a le jeu Spider-Man là, qui est sorti, qui a l'air super. C'est vrai que si j'avais la PS4, je me le serais acheté parce que c'est vraiment super. Voilà. Mais je préfère personnellement Microsoft actuellement. Même si la PS4 est largement mieux. Mais je suis fidèle à ma Xbox. Voilà, ce genre de chiffre, faut l'avoir. Je l'ai fait avec mes propres sous. À l'époque, la nuit commençait à arriver. Mais bon, comme je suis toujours pas payé par Facebook, par n'importe où je paye, bah, je suis pas payé. Je reçois autant d'argent. Donc voilà. Et bon, voilà, je voulais vous faire juste une petite anecdote sur la Wii. Ma tarte Wii. C'est mon grand-père qui m'a acheté. J'ai fait trois magasins pour l'avoir. J'ai fait Microsoft. Virgin, alors Virgin, c'est la Fnac. Hein. Ça n'existe plus actuellement. Virgin a été remplacée. Mais avant, il y avait un autre qui était Virgin. C'était. Enfin, le nouveau, j'ai fait Microsoft, Virgin. J'ai fait un autre truc, trois trucs pour trouver le jeu. Et tout ce retour de stock. Je suis allé à Microsoft et j'ai dit, est-ce que vous avez ma tarte Wii, s'il vous plaît? Il me reste un stock. Oh putain, vas-y, j'arrive. Je l'ai pris, il y avait 5 semaines après, il y a une dame qui arrivait, elle le voulait, j'ai dit désolé, je l'ai pris, j'ai pris une dernière qui était la même. Le jeune homme ici, elle l'a déjà pris. Voilà. C'est comme ça. Voilà, mais bon, voilà, c'était la petite anecdote sur Wii, sur ma tarte Wii. Voilà, bon, je vous dérange pas plus, ça va mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce petit vlog. Abonnez-vous si vous voulez à ma chaîne YouTube, Blackbee. Il y a ma page Facebook dans la description de la vidéo. Et puis, on va faire un gros son. Donc, restez connectés. Et puis, je vous dis à bientôt pour un gros son. Allez, salut à tous!